Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Il y a un an, l'OMS enregistrait le premier cas d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Depuis, le virus a fait plus de 10 000 victimes. Direction le Liberia, où l'heure est à la reconstruction. Retour sur l'opération Cheval de Troie à Birmingham, au Royaume-Uni. C'est dans cette ville que des extrémistes ont été accusés de vouloir prendre le contrôle d'écoles publiques. Cap sur le Koweït, près de 25 ans après l'invasion des troupes irakiennes de Saddam Hussein. Comment vivent les Koweïtiens aujourd'hui dans ce pays qui fait parfois figure de modèle dans la région? De Rio de Janeiro à New York, les étrangers raffolent du pain français, à tel point que des étudiants du monde entier viennent se former en France pour ensuite ouvrir leur propre commerce. Nous irons au Pakistan, où les attaques contre les chiites se multiplient en cause un nombre croissant de talibans ayant fait allégeance à l'organisation de l'État islamique. Coup de projecteur enfin sur les petites mains, ces ouvrières hors pair, au savoir-faire unique, qui travaillent les plumes, les broderies ou encore les plissés pour les grandes maisons de couture. Il y a un an, l'OMS enregistrait le premier cas d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Depuis, le virus a fait plus de 10 000 victimes et a affecté des dizaines de milliers de personnes dans la région. Si l'épidémie se poursuit encore à un moindre rythme en Guinée et en Sierra Leone, le Liberia n'enregistre presque plus de nouveaux cas, une situation que le pays doit à la forte mobilisation de son gouvernement et de ses partenaires. Le plus dur de la crise sanitaire semble appartenir au passé et l'heure est désormais à la reconstruction. Reportage des correspondants de France 24 au Liberia, Katrina Vitozzi, Arnaud Forger. Jacob a un an et demi et il se sent mieux. Le bébé a été malade pendant des mois. Sa mère Lydia l'a finalement emmené dans une clinique. Une démarche qui l'effrayait il y a quelques semaines encore. Cette crise d'Ebola me faisait peur. Je n'osais pas aller dans une clinique. Ce sont des gens qui m'ont encouragé à aller consulter pour mon enfant malade. Les familles restaient à l'écart des hôpitaux pendant que l'épidémie se répandait sans nombreuse. Avant la crise, les capacités du système de santé libérien étaient limitées, manque de personnel et de moyens pour prévenir et contrôler la propagation du virus. Ebola a mis à mal un arsenal sanitaire déjà défaillant. Mais la crise a aussi eu de bons côtés, notamment en suscitant l'attention mondiale. Avec Ebola, le soutien des ONG et du gouvernement a augmenté. On nous a fourni du matériel tous les jours, tous les mois, des combinaisons, des gants. Avant, c'était pas comme ça. Le Liberia n'a enregistré qu'une poignée de nouveaux cas ces 6 dernières semaines. L'objectif est désormais de rendre durables les progrès constatés. Nous avons commencé la mutation de notre système de santé pour reconstruire quelque chose de solide. Pourquoi Ebola a-t-il anéanti notre système de santé? C'est parce qu'il était trop fragile. Donc il n'y a pas de temps à perdre. Il faut repenser et reconstruire ce système de santé. Nous en discutons avec nos partenaires venus pendant la crise. Le secteur de la santé n'est pas le seul à avoir malgré tout tiré profit de cette crise. Avant l'épidémie, il n'y avait pas l'eau courante pour les 600 élèves de cette école. Les années précédentes, nous devions aller chercher de l'eau dans des puits situés à l'extérieur de l'école pour avoir de quoi boire, laver les vêtements et faire fonctionner les toilettes. Depuis l'arrivée d'Ebola, l'accès à l'eau et à l'assainissement dans les écoles sont une priorité du gouvernement. Et avec l'aide de l'ONG Oxfam, cette école possède désormais un puits et une pompe manuelle. La joie des enfants est débordante, ils sont heureux. Vous vous rendez compte ce que ça signifie de faire fonctionner une école pendant 4 ou 5 ans sans eau potable, en allant la chercher à l'extérieur? C'est juste une libération. Une libération. Les besoins étaient là depuis des années. Pourquoi a-t-il fallu une épidémie mortelle pour y répondre?
Le Liberia reçoit des fonds pour la santé et l'éducation depuis la fin de la guerre civile, mais les donateurs reconnaissent qu'ils n'étaient pas suffisants. Il y a déjà eu de nombreux projets, mais ils étaient sans doute trop sporadiques. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on a l'opportunité de mener des actions bien plus importantes, coordonnées, à dimension internationale. Alors qu'avant, ces actions auraient été menées par différentes organisations, chacune de leur côté. Tout cela doit s'effectuer avec le gouvernement pour s'assurer qu'il est bien impliqué et que tout le processus est transparent et responsable. Bien sûr, il reste de nombreux défis. Ebola a fait 4000 morts au Liberia et affecté la vie de dizaines de milliers de personnes. La communauté internationale et notamment l'Organisation mondiale de la santé ont été critiquées pour la lenteur et la faiblesse de leurs réponses dans les premiers mois de l'épidémie. Sur France 24, l'OMS a affirmé vouloir créer une force de réserve, une force qui pourrait être déployée plus rapidement en cas d'urgence sanitaire. The key lesson. Si nous voulons tirer les leçons de cette crise, il faudra développer une force d'intervention capable d'arriver sur les lieux d'une épidémie comme celle-ci bien plus vite. Cela signifie avoir l'expertise technique disponible, avoir les capacités financières et logistiques pour répondre bien plus rapidement. Les enseignements de cette épidémie ne pourront pas réparer les dégâts causés ici. Mais ils peuvent peut-être éviter qu'une crise sanitaire similaire ne se produise à nouveau. Dans les trois pays les plus touchés par Ebola depuis un an, le Liberia, la Guinée et la Sierra Leone, se profile un mal plus connu, mais tout aussi redoutable, la rougeole. On l'a oublié en Europe, cette maladie infantile peut être mortelle. Des milliers d'enfants risquent d'être emportés. En cause, l'effondrement des vaccinations dues à l'encombrement des hôpitaux et à la méfiance des parents. À Monrovia, la capitale du Liberia, les premiers cas de rougeole sont apparus dans le bidonville de Peace Island fin mars. Les communautés musulmanes de Grande-Bretagne sont-elles bien intégrées? Dans une lettre aux imams en début d'année, le gouvernement britannique s'est dit fier de la solidarité des musulmans britanniques aux attentats de Paris, ajoutant toutefois qu'il devait en faire plus pour empêcher la radicalisation des jeunes. Birmingham, la deuxième ville du Royaume-Uni, a la plus forte population de musulmans du pays. C'est ici que des extrémistes ont été accusés l'an dernier de vouloir prendre le contrôle d'écoles publiques. Dans le cadre d'une opération appelée Cheval de Troie, des groupes religieux auraient tenté d'évincer les enseignants non musulmans. Les autorités locales et nationales ont aussitôt ouvert des enquêtes dans une atmosphère de panique. Un reportage signé Hervé Amoric, Enda Oluni, Lucy Fielder. Shabina Bano est née à Birmingham de parents pakistanais. Elle a grandi ici, chef d'entreprise, mère de 4 enfants et musulmane pratiquante. On lui demande parfois si elle est d'abord britannique ou musulmane. Je suis d'abord humaine, puis musulmane et britannique, car je vis en Grande-Bretagne. Ma nationalité ne s'oppose pas à ma religion. Si vous demandez aux enfants quelle équipe ils soutiennent, car il y a un match, c'est l'Angleterre, ils sont britanniques. Le matin, Shabina conduit les enfants à l'école. Ses filles étaient inscrites dans une école religieuse, mais leur mère a décidé de les envoyer à l'école publique pour leur ouvrir l'esprit. Mes enfants doivent trouver leur place dans la société laïque, connaître les autres religions. À la maison, c'est moi qui leur enseigne la religion. Ce n'est pas le rôle de l'école. Parmi les 600 élèves de cette école, 5 seulement ne sont pas musulmans. Comme Académie, Oldno a une grande liberté de gestion. L'école est financée à la fois par l'État et par des sponsors qui peuvent être des groupes religieux. Des extrémistes auraient tenté de prendre le contrôle de 15 écoles publiques de Birmingham comme celle-ci pour promouvoir leur interprétation radicale de l'islam. 5 enquêtes officielles ont été conduites. Récemment, les députés britanniques ont conclu que ces accusations étaient sans fondement. Bilal Balali est avocat. Il est l'un des responsables de cette mosquée. Sa fille est scolarisée à Oldno. Les accusations proférées contre l'école l'ont profondément choqué. Je n'ai jamais eu l'impression qu'on avait affaire à un complot orchestré par des fondamentalistes, des extrémistes qui allaient convaincre mes enfants de mettre une veste bourrée d'explosifs pour aller se faire sauter dans une piscine. C'est complètement fou. Barry Henley préside le conseil d'administration d'Oldno Academy. Ce conseiller municipal
estime que, même si la religion est enseignée à l'école publique ici, certains établissements avaient abusé de leur liberté. À Oldknow, par exemple, on enseignait le Coran après les classes, ce qui ne pose pas de problème si c'est organisé par la mosquée. Mais dans ce cas, c'est l'école qui payait l'enseignant, ce qui est interdit, car l'école publique était devenue une école confessionnelle. Pour être admise, l'éducation religieuse et la prière à l'école doivent être multiconfessionnelles. Un quart de la population de Birmingham est d'origine asiatique. 14% des habitants sont musulmans. Depuis un an, l'affaire du cheval de Troie a rouvert le débat sur l'intégration. Né au Pakistan, Khalil Mahmoud est le député local. Il est très critique des écoles concernées par l'enquête. De vrais problèmes ont été détectés et la cause de ces problèmes est le manque d'intégration dans certains quartiers à prédominance musulmane ici à Birmingham. Nous devons favoriser la mixité des quartiers et une meilleure intégration. Bien sûr, le communautarisme est source de problèmes. Jabina dirige une société de meubles qui emploie des gens du quartier, toutes religions confondues. D'origine modeste, Jabina semble être un modèle d'intégration. Il est important de s'intégrer, quelle que soit votre origine. C'est un mode de vie, il faut respecter l'autre. Mais on n'arrête pas de nous dire qu'il faut s'intégrer davantage. Nous sommes intégrés. J'aimerais bien savoir ce que l'on doit faire de plus. Après les attentats de Paris, le gouvernement britannique a envoyé une lettre aux mosquées, demandant aux dirigeants de faire plus pour déraciner les extrémistes. De nombreux musulmans n'ont pas apprécié le ton de cette lettre. Il y a beaucoup de ressentiment ici à l'égard des politiques qui essayent de nous criminaliser, qui nous montrent du doigt constamment, des politiques qui présentent comme des faits des accusations sans preuve. Ils nous donnent la réputation d'être une communauté à problème. Ceux-là même qui nous reprochent de ne pas donner une voix aux communautés, de ne pas demander leur avis ou de ne pas solliciter leur aide pour répondre aux défis auxquels nous faisons face, ceux-là se plaignent du fait que nous leur avons écrit. Eh bien, moi, je suis fier de notre lettre. C'était le bon moyen de chercher une solution collective aux problèmes qui nous font face. Les élus britanniques et les responsables de la communauté musulmane de Birmingham sont d'accord sur un point. Pour éviter la radicalisation des jeunes musulmans, leur intégration dans la société est capitale. À la suite de la controverse du cheval de Troie, le ministre de l'Éducation a demandé à toutes les écoles du pays de promouvoir les British Values, les valeurs fondamentales britanniques de démocratie, de tolérance et de respect mutuel. Si les directeurs d'école ne parviennent pas à suffisamment diffuser ces valeurs nationales dans leurs écoles, ils pourraient être remplacés. C'est d'ailleurs le ministère de l'Intérieur qui prendra cette décision. Restez sur Futur TV, on se retrouve dans quelques instants. Il y a près de 25 ans, en 1991, le Koweït est libéré des troupes de Saddam Hussein lors de l'opération Tempête du désert menée par les Américains et leurs alliés. Depuis, le pays vit en paix. Il figure même parmi les nations les plus riches du monde grâce à ses ressources en pétrole. À première vue, le Koweït, avec ses hôtels de luxe et ses grands centres commerciaux, a tiré un trait sur son passé. Mais dans les mémoires, l'histoire n'est pas oubliée. Toutes les blessures de la guerre ne sont pas pansées. Certaines familles continuent de réclamer le corps de soldats ou de proches enlevés, tués ou disparus en Irak pendant le conflit. Alors que son voisin s'enfonce dans la guerre civile et le terrorisme, le Koweït est finalement redevenu ce qu'il avait toujours été, un petit État riche et discret. Il est aussi l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde, ce qui permet aux autorités de choyer la population. Éducation gratuite, salaire élevé et primes variées pour les logements. Comment vivent les Koweïtiens aujourd'hui, dont la majorité a moins de 25 ans et n'a pas connu la guerre, dans ce pays qui fait parfois figure de modèle dans la région pour sa relative tolérance religieuse et politique? Un vent de liberté souffle sur la jeunesse souvent insouciante. Les reporters de France 24, Miyuki Aramaki et Hakim Abdelkhalek, se sont rendus sur place. Le vrombissement s'entend à des kilomètres. À la tombée de la nuit, la jeunesse de Koweït City se retrouve aux portes de la capitale.
Le drifting, littéralement, le dérapage, est le sport national. Dans le reste du monde, ce terrain mis à disposition par les autorités servirait peut-être de skatepark. Mais ici, à la place des planches à roulettes, les jeunes s'amusent à casser de vieilles voitures. Avant, on pratiquait ce sport dans la rue, c'était plus dangereux. Maintenant, on a un espace rien qu'à nous, où on peut s'entraîner en toute légalité. Chacun a son hobby préféré, nous, on adore ça. À 22 ans, Abdullah passe 2 soirées par semaine à faire des acrobaties avec ses amis. Pour quelques euros, il rachète de vieux pneus à la casse. À chacune de nos sorties, j'en échange 5, 8, parfois même 10. Les week-ends, un peu moins. Arrive enfin le tour d'Abdullah. Je parie que tu vas te prendre le mur. Dans tes rêves. Aujourd'hui, la majorité des Koweïtiens a moins de 25 ans et n'a jamais connu la guerre. Pour avoir plus de puissance, il faut jouer avec l'embrayage. Pratiquer ce genre de sport, c'est le kiff. Bienvenue au Koweït. Une jeunesse dorée et désœuvrée dans un pays désertique, mais richissime. À première vue, Koweït ne garde aucune marque de ses blessures. Le pays caracole en tête des nations les plus riches de la planète. Le PIB par habitant est 2 fois plus élevé que celui de la France. Grâce au pétrole, les citoyens coulent des jours tranquilles. Éducation et santé gratuites, au salaire. Le gouvernement offre à chaque couple marié un terrain de plusieurs centaines de mètres carrés. Mais quel est vraiment l'héritage de la guerre 25 ans après ? Nous nous sommes rendus dans le royaume au moment de la fête de la libération. Mara va nous servir de guide. Alors que l'ancien occupant, l'Irak, est au bord de l'implosion, ici, les habitants se battent avec des pistolets en plastique. Regardez les enfants déguisés, ils sont prêts pour faire la fête. Comme la plupart des Koweïtiens, Maha et sa mère adorent l'anniversaire de la libération. Pendant 2 jours, la population se pare des couleurs de la patrie. Je peux lui tirer dessus! En 1990, l'école de Maha a fermé plusieurs mois. Sa mère, psychiatre, travaillait comme bénévole auprès de Koweïtiens atteints de stress post-traumatique. Voir que les fusils et bombes ne sont plus que des jouets leur redonne le sourire. J'ai l'impression de revivre le soulagement de la victoire lorsque nous avons récupéré notre liberté après avoir vécu l'enfer de l'occupation. Au programme, danse patriotique. Et pour clore l'après-midi, des invités rarement bienvenus au Moyen-Orient. Mais à Koweït City, contrairement aux autres capitales de la région, l'oncle Sam est célébré comme un libérateur. Bienvenue à nos auditeurs. Moi, c'est Maha Hassan. Je vous accompagne tout au long de cette journée spéciale. Nous retrouvons Maha, qui anime une quotidienne sur la radio anglophone du pays. Aujourd'hui, nous recevons des invités au studio. Bienvenue dans l'émission. Maha et son émission sont des symboles de la tolérance qui règne dans le royaume. Pourtant, aux portes de l'Arabie Saoudite, la jeune femme ne porte pas le voile. Elle est libre de passer de la musique occidentale, comme ce groupe local qui chante en anglais. Mais aussi du rock, du heavy metal, du hip-hop, dans un pays musulman. Une première parmi les nations du Golfe, les Koweïtiennes ont même obtenu le droit de vote, il y a 10 ans.
Je m'habille avec des vêtements longs, comme ça, on n'a pas le choix. Mais on fait beaucoup de progrès par rapport à avant. Ici, au ministère de l'Information, les femmes composent 90% du département. C'est nous qui le faisons vivre. Il y a des réalisateurs femmes, des productrices. Et on est égal aux hommes, on touche les mêmes salaires. Contrairement à l'animatrice, la génération suivante, elle, ne se rend pas compte de ce qui est fêté aujourd'hui. Est-ce une journée importante pour vous ? Non, je pense que la majorité des gens a tourné la page, c'était il y a tellement longtemps. Les gens oublient. Non, ils n'ont pas oublié. Certains, si. Je viens de recevoir un message, ceux qui ont perdu quelqu'un. Pendant la guerre, l'Irak avait emprisonné des milliers de Koweïtiens. Plusieurs centaines ne sont toujours pas revenus. Pour leurs familles, pas question de fêter la libération tant qu'ils n'auront pas retrouvé les leurs. Voici le magasin où mon fils a été arrêté. Le fils de Sultan a été interpellé dès les premiers jours de l'occupation, devant ce qui est aujourd'hui ce centre commercial. Il était en train d'écrire des slogans sur ce mur. Abat Saddam et les soldats irakiens. Nous ne voulons pas de vous dans notre pays. C'est à ce moment-là que la police est arrivée. Ils sont venus par là. Le commissariat est juste à côté. Les policiers irakiens embarquent immédiatement le tagueur Oussama. Pour retrouver son fils de 14 ans, Sultan devient membre de la commission des prisonniers de guerre après la libération. Il nous invite chez lui, une résidence cossue dans la banlieue de Kuwait City. Voici le hall. Ma maison fait 4 étages. 800 mètres carrés et un ascenseur. Dans chaque pièce trône en évidence le souvenir du jeune disparu. Voici ma famille et voici Oussama. Pendant des années, les représentants irakiens ont affirmé ne rien savoir du sort des Koweïtiens recherchés par Sultan. Mais à la chute de Saddam Hussein, ils ont fini par avouer l'existence de fosses communes. Après la libération de l'Irak, on s'est réunis avec les mêmes délégués. Et là, ils nous ont dit que les prisonniers avaient tous été tués. On leur a demandé pourquoi vous nous avez menti. Ils ont répondu, si on vous avait dit la vérité, on serait mort. C'était en 2003. Depuis, Sultan s'est donné une nouvelle mission. Obtenir l'ouverture de ces fosses communes. On attend depuis 25 ans. Un jour, on nous a annoncé que notre fils a été tué. D'accord, on l'a accepté. Mais où est son corps ? Nous voulons l'enterrer. En attendant de pouvoir enterrer son enfant, la famille lui a dédié un lieu de mémoire. Le vendredi, jour de la grande prière, les croyants sont si nombreux qu'ils ne tiennent pas à l'intérieur du bâtiment. J'ai fait construire cette mosquée en 2006. Je l'ai faite pour mon fils. Oussama Sultan Ahmad Sultan Al-Kala. Prisonnier et martyr, tombé au nom de Dieu. Nous prions Dieu de lui venir en aide. We ask the God to help them. Le régime de Bagdad a volontairement laissé les proches de 630 disparus dans le doute, des années durant. Saddam Hussein avait déclenché la guerre pour mettre la main sur les richesses pétrolières koweïtiennes. Mais devant la défaite de ses armées, le dictateur a donné l'ordre de détruire 700 puits. Abdul al-Hashemi a vu les Irakiens miner les installations avant de les faire exploser. Il nous emmène sur les terres de la toute-puissante KOC, la Kuwait Oil Company. Dans un pays petit comme une région française, elle gère des réserves stratégiques au niveau mondial. Toute cette zone ici était affectée. Des puits en feu partout. Sous nos pieds, le champ de Bourgane, le deuxième plus grand du monde.
Ici, un pétrole d'une très grande pureté coule à flot, à très haute pression. Les nappes ne sont qu'à quelques centaines de mètres de profondeur. Les puits comme celui-ci ont brûlé pendant 10 mois. C'est le temps qu'il a fallu à Abdoul et ses collègues pour éteindre les feux. Une opération risquée, le pays se relevait à peine des combats. Les puits de pétrole n'arrêtaient pas de brûler, mais il fallait nettoyer la zone des mines, des roquettes, des munitions non explosées. Il y avait aussi des mares de pétrole. Aucune route sûre pour atteindre les puits. Ces images ont fait le tour du monde. Chaque jour, 6 millions de barils de pétrole disparaissaient en fumée, noire et épaisse. Une catastrophe économique et écologique sans précédent. 10 000 spécialistes débarquent du monde entier. Le Koweït met en place une unité de pompiers d'élite envoyée en première ligne. Abdoul Al-Hashemi est choisi pour en faire partie et n'a rien oublié. En plein jour, à 10 heures du matin, à midi, c'était pareil. Il faisait tout le temps sombre. Même nos voix avaient changé. C'était comme si on avait respiré de l'acide. Mes amis et mes collègues me demandaient « Mais pourquoi ta voix est comme ça ?» Imaginez du vinaigre, vous le buvez et votre gorge devient très acide. Un quart de siècle plus tard, le Koweït possède toujours 10% des réserves mondiales de pétrole. Une fortune qu'il faut transporter, stocker, mais surtout protéger. Aujourd'hui, les pompiers koweïtiens possèdent une expertise mondialement reconnue dans l'extinction des feux de pétrole. Sur ce terrain d'entraînement, la relève d'Abdoul se prépare à intervenir. La différence, c'est qu'ici, les températures sont plus élevées. Vous ne pouvez pas contrôler le feu avec 5 ou 6 personnes. Il faut une grosse équipe, du matériel spécial et des tuyaux très lourds. Feu, feu ! Sous l'œil acéré de leur chef, les 400 membres de l'unité doivent régulièrement se prêter à des simulations. Dépêchez-vous ! Les hommes reçoivent une formation proche de celle des forces spéciales. Ils affirment être les plus rapides de la planète sur ce type d'exercice. Ouvrez l'eau ! À proximité du brasier, les températures montent jusqu'à 400 degrés. Le but est de couper au plus vite la source de carburant. Pour ce faire, il faut plonger au cœur des flammes. Il y a, comme vous le voyez, un leader qui fait avancer le groupe pas à pas. En avant, marche! Maintenant, il va au feu. Il est protégé grâce aux tenues ignifugées, sa veste, les gants et l'eau. Exercice réussi en moins de 5 minutes. Quand la valve est fermée, dans notre vocabulaire de pompier, on dit qu'il a réussi à affamer le feu. Depuis 1991, le Koweït connaît la paix. Mais le petit pays, entouré de puissants voisins, sait que son sous-sol continue de faire des envieux. Des incendies ou une invasion, cela pourrait à nouveau arriver. On espère que cela n'arrivera pas, mais en tout cas, on est prêt. Le Koweït, dernier pays du Moyen-Orient à avoir connu un conflit classique avec annexion, est désormais un havre de stabilité comparé à ses voisins, secoué par le printemps arabe et des guerres civiles. Regardez Code 24, on se retrouve juste après la pause. A tout de suite. Une des spécialités françaises est en train de conquérir le monde. Il s'agit de la boulangerie.
Le concept s'exporte de plus en plus. Un boulanger 100% brésilien a su conquérir le cœur des habitants de Rio de Janeiro avec des pâtisseries pourtant bien françaises. Pain au chocolat, croissant ou encore baguette. De Rio à New York, les étrangers en raffolent, à tel point que des étudiants du monde entier viennent désormais se former en France pour ensuite ouvrir leur propre commerce. À côté des plages de Rio, dans ce quartier chic, on se croirait presque en France. Viennoiserie, croissant, pain au chocolat. Et pourtant, ce boulanger est 100% brésilien. Ici, les croissants et la baguette ne font pas partie des traditions, mais les spécialités françaises ont su conquérir le cœur des cariocas. La qualité du pain, la qualité de tous les produits, c'est excellent. Comme j'aime beaucoup le pain, je viens tout le temps là. Je suis vraiment amoureux de cet endroit. Pour proposer ses tartes au citron meringué ou sa tarte au chocolat, Luis Alberto Abrantes s'est formé dans une boulangerie française à Sevran. Il est revenu avec plein de recettes, les clés de la réussite. J'ai rapporté avec moi le concept des pains plus rustiques. Ils correspondent bien au goût de notre clientèle. Ça marche très bien. Et ça a permis d'augmenter mon chiffre d'affaires. Alors qu'un boulanger traditionnel au Brésil gagne 1 500 € par mois, lui avoue empocher 2 300 € grâce à sa French Touch. Le succès des boulangeries françaises à l'étranger suscite des vocations. Il vaut mieux de mettre un peu d'huile ou un peu d'eau. Beaucoup d'accents étrangers dans ce centre de formation de Rouen. Là, on a quand même une japonaise, une coréenne et un grec pour 14 élèves. Ici, 20% des élèves sont étrangers. Aujourd'hui au programme, fabriquer le traditionnel pain de campagne. On vient fariner notre boule. Donc ce qui est important, c'est que ça soit bien serré cette boule, d'accord ? Ce jeune grec a fait le voyage pour maîtriser toutes les techniques françaises. Il a déboursé 6 800 € pour 4 mois et demi d'enseignement. Si on veut comparer les niveaux des Français et les niveaux en Grèce, c'est pas de tout pareil. Je suis venu ici pour m'informer, pour approfondir un peu plus au niveau de boulangerie, pour obtenir au maximum des savoir-faire. On a une bonne régularité. Bilan après la cuisson des pains et des ficelles. Vous en pensez quoi, Stavros, de vos pains ? Un peu trop de buée ? Trop de buée, ça c'est certain. Il y a trop de buée, ça veut dire que du coup maintenant, on a une surface très brillante. Sinon, le façonnage est très correct. Voire un des plus jolis du labo. Là. À la fin de sa formation, il rentrera en Grèce dans la boulangerie de son père pour proposer des pains français. C'est juste un petit caramel. On aurait pu le faire à sec, là on a mis de l'eau pour pas brûler le sucre. Hein. Dans l'atelier de pâtisserie, mission du jour, faire un caramel pour les petits fours chocolat noisette. Ici, 60% des étudiants étrangers sont asiatiques. Et appuyer fortement jusqu'au fond. Ok ? La pâtisserie française, c'est une passion pour cette japonaise de 28 ans. Si vous êtes un droitier, à gauche. La pâtisserie japonaise, c'est différent. C'est fin et c'est joli. Mais peut-être il manque un petit peu de goût. Donc la pâtisserie française, c'est bien équilibré. Et s'il y a une demande au Japon depuis 30 ans, c'est en Chine que ça explose en ce moment. Cette jeune femme de 21 ans compte bien se lancer dans l'aventure. Je vais rentrer en Chine. Travailler en pâtisserie ou ouvrir une boutique par moi-même. Elle se donne les moyens de réussir. Prise de notes, concentration optimale. Ses élèves apprennent très vite. La culture asiatique reste une culture ordonnée, précise, à l'écoute. La demande en Chine ou en Corée est tellement importante que les professeurs de cette école s'y rendent chaque mois pour transmettre le savoir-faire français. En moins d'un an, les attaques contre les chiites n'ont cessé d'augmenter au Pakistan. En cause, un nombre croissant de commandants talibans ayant fait allégeance à l'organisation de l'État islamique. Sur Internet, ils publient des vidéos de propagande anti-chiite, commanditées par Daesh.
Les forces pakistanaises ont lancé en juin dernier une vaste opération dans la zone tribale du Waziristan du Nord, épicentre de la mouvance djihadiste dans la région, avant d'étendre leurs frappes dans la zone de Khyber. Mais les talibans ne sont pas les seuls à cibler les chiites. À Islamabad, d'autres groupes extrémistes anti-chiites recruteraient en masse. Pakistan, les chiites ciblent des djihadistes. C'est un sujet signé Taha Siddiqui. À Peshawar, les prières du vendredi sont désormais sous haute surveillance. Impossible pour ces fidèles d'entrer dans la mosquée avant d'avoir été fouillés. La sécurité a été renforcée après une attaque à main armée survenue ici même, pendant la prière du vendredi. Deux kamikazes des talibans pakistanais ont fait exploser une bombe qui a tué 21 personnes. Leur crime ? Être chiite, une branche minoritaire de l'islam, considérée comme hérétique par les talibans. À l'intérieur, les murs et les plafonds de la mosquée portent encore les marques du drame. Nous sommes en train d'être tués. Nous sommes en train d'être décimés de manière barbare et cruelle. Ils veulent nous éradiquer. Ils veulent supprimer les chiites de cette terre. L'homme qui enregistre le sermon est un survivant de l'attentat suicide. Grâce à son téléphone portable, Iqtadir Shah a réussi à filmer l'attaque meurtrière. Alors que les fidèles quittent la mosquée, il nous emmène à l'écart de la foule. Iqtadir Shah tient à nous montrer ses images filmées au risque de sa vie. J'étais juste ici ce jour-là. Je disais à tout le monde de rester sur le côté. Les terroristes ont ouvert le feu depuis l'extérieur. Je pouvais voir les corps tomber par terre. En moins d'un an, les attaques contre les chiites n'ont cessé d'augmenter au Pakistan. En cause, un nombre croissant de commandants talibans ayant fait allégeance à Daesh, l'organisation djihadiste. Sur Internet, ils publient ces vidéos de propagande anti-chiite commanditées par Daesh. Mais les talibans ne sont pas les seuls à cibler la branche minoritaire de l'islam. À Islamabad, d'autres groupes extrémistes anti-chiites recruteraient en masse. S'ils nient toute implication dans les attentats, ils clament haut et fort leur haine envers les chiites. Notre mouvement vise à nous protéger et empêcher l'idéologie chiite de se répandre au Pakistan. Et ce, au nom du prophète. Ce qu'ils font est mal. Leurs croyances, leur idéologie, cela n'a rien à voir avec nous, les musulmans. C'est une conspiration. Pourquoi y a-t-il des chiites au Pakistan alors que notre pays est majoritairement sunnite ? Pourtant interdit à deux reprises par le gouvernement, le groupe extrémiste existe toujours, la justice pakistanaise n'ayant jamais appliqué ses décisions. À quelques kilomètres de là vit la famille de Nabila. Nabila a dû abandonner sa maison située en pleine zone tribale, tout près de la frontière afghane. Une zone infestée par les talibans pakistanais. Il y a 2 ans, elle perd 8 membres de sa famille lors d'une attaque à la voiture piégée. Elle-même restera handicapée à vie. Pour sa mère, il fallait déménager pour se protéger du danger. Mais aujourd'hui, même Islamabad ne leur paraît plus très sûr. Même ici, la situation empire de jour en jour. On fait profil bas, personne ne sait que l'on est chiite. Et ceux qui peuvent se le permettre envoient leurs enfants à l'étranger, comme en Australie. Ces 2 dernières années, des attaques ont ciblé plus de 2000 chiites au Pakistan, forçant des centaines d'entre eux à fuir le pays. L'alliance récente des talibans pakistanais avec Daesh laisse présager des attaques encore plus meurtrières. Pour la première fois depuis 7 ans, le Pakistan a organisé le 23 mars une parade militaire nationale. Le défilé en grande pompe s'est déroulé à Islamabad, visant notamment à montrer que le pays et sa puissante armée gardent le dessus sur les rebelles talibans. La dernière édition de cette parade avait eu lieu en 2008, dernière année du régime militaire du général putschiste Pervez Musharraf. Le pays était alors la cible d'une vague croissante d'attentats attribués aux rebelles du mouvement des talibans du Pakistan, un allié d'Al-Qaïda. Le défilé avait été annulé par la suite pour raison de sécurité. Restez sur Future TV, on se retrouve après ceci.
La haute couture a un secret, il s'appelle les petites mains. Couturières, brodeuses, plisseuses, plumassières, des ouvrières hors pair au savoir-faire unique qui passent parfois des milliers d'heures sur une seule robe, des milliers d'heures pour quelques secondes de magie sur les podiums des grandes maisons. Nous vous emmenons à présent dans les coulisses du défilé Chanel, où chaque atelier s'affaire selon sa spécialité. Chez les plumassières, les petites mains travaillent les plumes d'autruche ou de faisan en les posant une à une. Chez les plisseuses, elles utilisent de savants origami en carton pour sculpter le tissu. Et chaque corps de métier se retrouve autour du clou du défilé, la robe de mariée. Reportage. Deux fois par an, Paris met ses plus beaux habits. Printemps-été, automne-hiver, la haute couture se donne en spectacle aux yeux du monde. C'est un show éphémère. Chaque modèle passe une fois et une seule. Quelques secondes de magie. Des milliers d'heures de travail. Derrière la griffe Chanel, il y a des ateliers centenaires, comme celui-ci. Voici la maison Le Marié. Bonjour, tout va bien ici? Oui, ça va. Depuis 1880, on travaille ici une matière naturelle et colorée, la plume. Tout va bien, Marine? Ça avance, le modèle? Nadine Dufa est la directrice de la maison Le Marié. Ça va rendre très, 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 très bien. C'est une matière vivante, c'est une matière noble, c'est beau, c'est léger, c'est féminin. On peut obtenir des dessins très graphiques, très modernes, comme quelque chose de très vaporeux, très hollywoodien, avec des plumes d'autruche qui volent. On peut utiliser toutes les techniques. Léger comme une plume, dit le proverbe. Mais attention aux apparences. Elle donne un effet fragile parce que c'est léger, c'est aérien. Mais en fait, les plumes, elles protègent le corps de l'oiseau. Donc en fait, c'est quand même très résistant. Poules, dindes ou autruches, les plumes doivent venir d'oiseaux d'élevage. Pas de toucans ni de colibris exotiques. Les plumassières, c'est leur nom, sont écolos. Toutes les plumes sont posées une à une à la main. On peut avoir plusieurs heures pour faire 50 cm de galon. On ne se pose pas la question du temps. La question c'est, on a un dessin et le produit doit être top. Autre atelier, autre métier, les plisseurs. Ils sont comme des sculpteurs de tissus, au service du légendaire Karl Lagerfeld. Leur seul outil, des moules en carton. Ce matin, le tissu à plisser, à sculpter, est un chef-d'œuvre de délicatesse. De la mousseline de soie. Sur les matières légères, comme la mousseline, moins on les manipule, moins on déforme le tissu. Parce qu'un tissu déformé, ne fera pas un beau plissé. Donc la plus délicate façon de placer le tissu, pour les matières légères, c'est de souffler. Le tissu est exceptionnel, mais la forme à donner est simple. Un pli plat de 2 cm. Le plissé, c'est vraiment un travail d'équipe. On est très souvent à 4 mains. Et c'est vraiment une synchronisation des gestes, une complémentarité. Et puis il y a une proximité, on est toujours épaule contre épaule. Le tissu est prisonnier entre les deux feuilles de carton. L'ensemble est enroulé et part au four. Un four à vapeur. Une heure de sauna à 85 degrés. Et quand on réouvre le tout... Verdict, tout a l'air d'aller très bien. Le pli a bien marqué. Et il y a plus sophistiqué. 2500 variétés de plis au total. Des origamis à la française. Tout un art du relief... sans imprimante 3D. C'est un travail de minutie et de délicatesse, de fragilité.
Le carton, voilà, ça reste du papier. On le cuit à la vapeur, donc ça prend l'humidité. Mais justement, c'est là l'intérêt, puisque l'humidité passe à travers le carton pour former et humidifier et fixer le pli sur le tissu. C'est assez surprenant. Pli Gaspard, pli Petite Fleur, Auguste ou Boa. La mémoire des formes est sans limite. Pour les petites mains de la haute couture, il existe un summum du raffinement, la robe de mariée. Christelle Cochet est directrice artistique de la maison La Mariée. Non mais c'est super beau, parce que moi je l'avais vu en photo, un peu les trucs tout par morceaux, mais je l'avais pas vu tout ensemble, c'est comme super beau. Enfin, on voit cette robe-là, on a l'impression en fait de générale, mais en fait, plus on rentre dedans et plus on découvre qu'on a un petit cœur en plume. Et puis là, c'est des corolles en rhodoïde, et puis là, c'est des plissés accordéons. Ils ont été des dizaines à apporter leur touche. Les plumassières, les plisseurs, les brodeuses. Pour tous, c'est une fierté ultime. Pour un atelier, c'est très très important, la symbolique de la robe de mariée. C'est la dernière robe du défilé, c'est le clou du spectacle, c'est le final en fait. Quelques heures plus tard, cette robe ondulante et presque vivante fera sensation. Une fois encore, la haute couture aura relevé le défi, grâce à ses petites mains. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Très bonne suite de programmes sur notre antenne et bonne soirée. Très bonne soirée.